Je m'appelle Karine, j'ai le permis moto depuis septembre 2021. Je roulais en 650 SVS Suzuki. J'ai déjà plus de 20 000 km à mon actif en moto. Une vraie passionnée, c'est-à-dire que je ne sors pas ma moto que le dimanche ou le samedi, tous les jours je roule. Je rentrais de mon travail, j'étais au téléphone avec l'intercom avec mon conjoint qui voulait me rejoindre en moto pour aller se balader. Et il y a une voiture qui m'a grillé, a cédé le passage. J'ai tapé sur le côté gauche, hein, entre le phare et la roue. Mon conjoint était en ligne avec moi, donc il a entendu l'impact. Ça a coupé puisque Liberty m'a permis d'avoir les secours directement en ligne. La première chose que j'ai regardée, c'est mes jambes et j'ai repris connaissance. Pour moi, j'avais pas perdu connaissance, hein. Et j'ai été prise en charge tout de suite par les pompiers et héliportée à Toulouse, où je suis restée du 5 avril au 26 avril. Et depuis le 26 avril, je suis retournée chez moi à essayer d'aménager comme je peux chez moi. Voilà, fauteuil roulant. Génial. Je sais que c'est une application que je garderai même en voiture. Là, j'ai une totale confiance en l'application. Ah oui, tout à fait. À 100% et j'en fais de la pub autour de moi. Déjà, je le conseille d'utiliser l'app, que tout le monde soit prudent sur les routes. On est une bonne famille, les motards se soutiennent tous et je sais que j'ai eu plein de messages sur les réseaux sociaux. Toujours faire confiance aux motards, en fait. Ah oui.